Alors, complétion du carré. Complétion du carré. Alors, la complétion du carré, à quoi ça sert? Ça sert à avoir une forme transstandard, à transformer la forme standard en forme du sommet. C'est ça la complétion du carré. Donc, on va l'écrire ici. Transformer la forme standard en forme du sommet. En forme du sommet. OK? C'est quoi la forme standard si y égale à ax au carré plus bx plus c? Quelle est la forme du sommet? Y égale à a x moins quoi? Au carré plus k. Parce que le sommet, c'est h et k. D'accord? Donc, en fond, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver le sommet h et k. Alors, il y a une formule. Donc, on écrit ces formules. Et cette formule-là, bien sûr, tu dois la retenir. OK? H est toujours égal à moins b sur 2a. K égale à remplacer dans la fonction. Remplacer dans l'équation. Donc, la forme du sommet, c'est trouver le h et le k. C'est ça la forme du sommet. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai une formule. H est égal à moins b sur 2a. De cette forme à cette forme. Je vais enlever la flèche. C'est de celle-là à celle-là. C'est de ax au carré plus bx plus c à y est égal à ax moins h au carré plus k. Donc ça c'est la forme standard, ça c'est la forme du sommet. Alors on va faire un exemple maintenant. Disons que, alors faire un exemple. Est-ce que tu comprends les vidéos quand même que je te dépose? Ça t'aide un peu? Pardon? On a fait déjà fait celle-là, mais tu étais mélangé un peu. Ah, on a déjà fait ça? Ok, alors terminons ça et puis on va faire l'autre. Donc disons que j'ai y est égal à 3x au carré plus 5x moins 4. Ok? Eh bien, comment on va trouver ça? On va trouver le h. Donc premièrement, je dis a égale, b égale, c égale. Donc celle-là, on l'a déjà faite, on va le reprendre. A égale à combien ici? 3. B égale à combien? 5. C égale à combien? Moins 4. Très bien. Maintenant, je calcule mon h. Mon h, c'est quoi la formule? C'est moins b sur de a. Alors, ça serait h égale à moins. Le b, c'est combien? 5 sur 2 fois le a. Le a, c'est combien? 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? La calculatrice, est-ce que tu as calculatrice avec toi? Alors, que je n'ai pas le temps de perdre. Hein? Alors, tu me le donnes ici. Ça va me faire quoi? Ça va te donner moins 5 sur 6. Vérifiez ce que c'est vrai. C'est ça, moins 5 sur 6. Donc, on a trouvé le H. Donc, écrit ici, trouver H. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Trouver K. OK? Comment je trouve K? Je remplace le H dans l'équation. Donc, j'écris Y est égal à 3X au carré plus 5x moins 4. Je dis que x, maintenant, il est égal à moins 5 sur 6, le h ici. Et je l'écris ici, k égale 3, et je remplace le x par le h que j'ai trouvé, moins 5 sur 6 au carré, plus 5 fois moins 5 sur 6, moins 4. Ça serait k égale. Alors, h minuscule, pas majuscule. Oui, prends l'habitude de respecter les notations, d'accord? H minuscule. Alors, fais-moi ce calcul-là. Alors, fais-moi ce calcul. Je te donnerai la vidéo parce que tu vas le voir. Alors, fais-moi tout ça. Dis-moi, c'est quoi ça? Ferme la parenthèse au carré. Plus 5, parenthèse, moins 5 sur 6. Parenthèse, moins 5, fraction 6.
Ça, c'est 5. Ben oui, c'est 5. C'est toujours le même H. Ça, c'est 5. Moins 4. Ça t'attend combien? Moins 73 sur 12. Voilà. Moins 73 sur 12 ou 112? Combien? Sur 12, comme ça? Voilà, j'ai trouvé mon cas. Et bien maintenant, je donne la réponse. Ben, je vais effacer ici. Tout simplement, quelle est la forme maintenant du sommet? Donc j'écris ces formes du sommet. Y égale A, c'est toujours le même, 3, parenthèse, X, moins 5 sur 6 au carré, plus K, ça veut dire moins 73 sur 12. Et ça, c'est Y égale A, 3, parenthèse, X, plus 5 sur 6 au carré, moins 73 sur 12. T'as compris ça? Eh bien voilà, j'ai fait mon calcul, c'est ça ma forme standard. Forme du sommet. Et ici, qu'est-ce qu'on a appliqué? On a appliqué tout simplement Y est égal à A, X moins H au carré plus K. Le A est toujours le même. T'es correct là-dedans. Maintenant, on va faire l'autre. Donc, je vais m'arrêter ici, et puis on va faire l'autre sur une autre vidéo. D'accord?